Aujourd'hui, je vous montre mes cadeaux de Noël chez mon papa. Donc, on commence tout de suite. Donc, je vais me dépêcher un peu. Une montre. Ça. Donc, édition limitée M. Je sais pas ce que c'est, mais bon. Là. Après, j'ai Thème Celebrity 1, parce qu'il y a tout le temps 2. Montrer. Donc première manche, faut décrire. Deuxième manche, faut définir en un seul mot. Bon, c'est un peu dur, mais. Et troisième manche, en fait, il faut le mimer. Alors bon, pour les mimes, alors là, moi, je sais pas très bien mimer, donc bon, c'est un peu dur. Une pochette, ça sert à mettre les cartes, je crois. Sablier, moi, je m'en sers jamais. Enfin, je m'en sers pour mettre les cartes. Un petit carnet. Bon, là, il y a déjà écrit, hein, parce qu'on allait jouer. Voilà. Voilà. Puis, surtout des cartes, quand même, parce que sinon, on ne peut pas jouer. Donc, voilà. Thumbs up. Bon, je sais que vous voulez un verre, donc je suis vraiment désolée. Mais, voilà. Donc, mettez-moi en commentaire si vous avez... Il faudrait que je mette à l'endroit. Enfin, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Voyage en France. Donc en fait, c'est pour mémoriser la France. Enfin, on mémorise en 10 secondes en fait. Donc voilà. Donc, c'est pour justement mémoriser. Enfin, carte sablier. Un dé. Voilà, donc je souris pas trop, hein, je suis vraiment désolée, mais c'est qu'en fait j'essaie de recommencer la vidéo depuis tout à l'heure parce que mon frère n'arrête pas de rentrer. Donc voilà, c'est assez pénible. Mais bon, je suis contente quand même de vous voir. Et je vous ai déjà montré, je sais pas, c'est règles du jeu seul ou en équipe. Enfin, en équipe, plusieurs quoi. Donc voilà, donc ça se présente comme ça si vous voulez voir. Pardon. Il est tombé, il tient pas très bien. Voilà. C'est tout pour ça. Après, j'ai aussi un jeu de DS. Désolée, hein, je l'ai laissé dans ma DS. Qui est comme ça. Donc, c'est une nouvelle élève de. Oups. Pardon. Monster. Pardon. Monster High. Je sais pas si vous commencez. Connaissez. Donc, il y a Frankie, Drake, Laura, Claudine et puis la nouvelle élève. C'est vraiment trop bien. J'adore. Donc c'est le nouveau qui vient de sortir. Hein. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Bah le 25. Le 24. Je les ouvre à minuit. Il y en a qui ouvrent le 25. Moi, voilà. Moi je les ouvre tout le temps le 24. Surtout que là, vu que le 25 je suis chez mon père, je suis un peu obligée. Cluedo. C'est moi pour le bruit. Cluedo. Derrière, c'est comme ça. Donc il est vraiment très grand. Hein. Il était pas si grand que des Lego Friends. Alors j'adore les Lego Friends, mais c'est chez ma maman. Donc je vous montrerai. Oulala, le couvercle. Donc les personnages. Donc déjà il y a Madame Leblanc, Monsieur Olive. Oui, ou Monsieur Olive. Quoi, vous avez l'impression qu'il est bleu, mais en fait il est violet. Après, il y a Madame Pervenche, Madame Rose, Monsieur Moutarde. Après, il y a aussi. Donc, il y a Monsieur Olive. Ah, mais oui, pardon, alors c'est qui? Attendez, je regarde, hein. Je connais. Ah, Monsieur Violet. Oh là, excusez-moi, Monsieur Violet. Et Monsieur Olive, excusez-moi si j'ai pas cette tête, hein. Les deux dés, c'est qu'en fait ma soeur est rentrée, mon frère aussi, ils m'énervent, je leur ai dit que je faisais une vidéo, ils écoutent rien. Donc là, les armes, donc il y a un chandelier, un poignard. Par contre, les autres armes, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon là, il y a les cartes, tout est parti en fait, parce que dès que je lève, voilà quoi.
que ça se compte comme ça. Voilà, donc il y a des cartes plus grises en fait. On dit débloquer cartes grises et des cartes bah normal. Hein. Enfin, cartes grises et des cartes rouges. Donc cartes grises. Donc il n'y a pas que ça. Je ne sais même pas où ils sont y allés, les autres. Non, bref. Ah, ils sont y allés à côté. D'accord. Bref, les cartes rouges. Excusez-moi. Voilà, carte grise et... Ah, bah tiens, j'ai retrouvé deux armes. Donc, la barre de fer. Le revolver. Pardon. Un stylo, parce qu'il faut un stylo pour jouer. Je sais que je mets du temps. Le plateau est comme ceci. Parce que moi, j'ai envie de tout montrer quand même. Parce que sinon, bon... comme ça. Voilà. Clé anglaise. C'est aussi une arme. Une enveloppe. Il y a écrit Cluedo et derrière comme ça. Les feuilles sont comme ça. Pardon si vous voyez du bleu. Bref. Voilà. Les règles du jeu. Donc il y a écrit tous les personnages. Hein. Et bah, ils me disent comment jouer. Alors, voilà. C'est un, tout un petit fichier. Puis voilà. Fait comme ça et puis après normalement il y a ceci donc je sais pas mais écrit par exemple rose alias Cassandra Rosa belle très sûre d'elle enfin ça explique on a quoi donc, je vais tout remettre mon stylo et je vous montre une dernière chose que j'ai eu enfin que j'ai eu en fait mon frère il m'a forcé à le montrer. J'ai pas très envie, mais bon, je vais vous le montrer. C'est en fait Dark Vador. Oui, bon, j'aime bien Star Wars. Voilà, donc. Par contre, c'est pas moi qui l'ai. Enfin, c'est moi qui l'ai construit, mais. Les jambes, par exemple, là, c'est, par contre, c'était mon frère. Hein. On l'a fabriqué tous les deux. Donc la cape. Donc c'est bien. Donc le sabre en rouge, si vous voyez pas. Attendez, tac. Donc, attendez, je vais vous le rapprocher. Voilà. Donc on peut vraiment tout bouger. Il est génial. Derrière, il se présente comme ça. Donc la cape. Donc là, c'est polaire. De ce côté, là, c'est du tissu. Enfin, voilà, c'est tout normal. Voilà. Donc voilà. Donc, j'adore les Lego. Là, il n'y a pas, mais bon. Donc... gros bisous à tous. N'oubliez pas de commenter, de liker et abonnez-vous à ma chaîne. Bye.